Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'informateur qui titre ce matin « Palais de la Marina ». Patrice Talon a reçu le président de la BOAD, Serge Ekoué, confirme les bonnes relations entre le Bénin et l'institution sous-régionale. Le compte-rendu des échanges à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. En deuxième titre, à la une de l'informateur de ce matin, après les partis politiques, la Commission électorale nationale autonome Sénat parle de la présidentielle avec les institutions et les organisations de la société civile. Les détails dans l'école de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, scrutin du 11 avril prochain, la force courue pour un Bénin émergent FCBE prendra part avec Dimba et Hunkwe. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, forces armées béninoises, le décret fixant les attributs et les appellations des grades adoptés. Des détails dans l'école de la parution de ce matin de l'informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin vous invite à découvrir dans l'école de la parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité en manchette ce matin, riposte communautaire contre la COVID-19. La commission électorale, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans l'étau de la vaccination de masse. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans l'étau de la vaccination de masse. L'article est à lire à la page 3 de la parution de ce matin de Fraternité. À la une de Fraternité de ce matin, mobilisation des ressources par la douane. Marcelin Larroux, l'éthique douanière, a contribué à l'amélioration des performances. L'intégralité de ses propos est à découvrir en page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le quotidien de services publics, La Nation, en manchette ce matin, lutte contre le COVID-19. Un projet d'acquisition de vaccins proposé au Bénin. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de La Nation de ce matin, bon déroulement du scrutin présidentiel prochain. La Commission électorale nationale autonome Sénat prend longue avec les institutions. Des détails à la page 3 de la page de ce matin du Canard. La primeur en manchette ce matin, cosse l'épi présidentiel de 2021. Le fichier électoral officiellement transmis au maire, informe le Canard ce matin. Les quatre vérités en deuxième titre à la une ce matin. Dimba, candidat officiel de la FCBE à la présidentielle prochaine. La stratégie Hunkwe qui crédibilise la FCBE. L'analyse du confrère est publiée à sa page 2 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien béninois Info Matin qui titre en manchette ce matin, dû au présidentiel de la FCBE, Dimba et Hunkwe, pour quel poids dans les urnes, s'interroge le confrère. Nous restons toujours à la une de l'Info Matin de ce matin, en deuxième titre à la une, rencontre de la Sénat avec les partis politiques. Les démocrates optent pour la politique de la chaise vide. La nouvelle génération titre en manchette ce matin, présidentiel du 11 avril prochain, la force courue pour un Bénin émergent fait un choix hautement politique. Le Béninois libéré en manchette ce matin avec les photos de Patrice Talon, Séverin Conan et Mario Mettonou, le Canard titre, création de l'association des cadres du Nord pour se protéger des poursuites de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette. De quoi a peur le maire? Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le routier en manchette ce matin, Alassane Soumanou Dimba, désigné comme candidat du parti FCBE. À l'opposé de Yahou, Hunkwe incarne sagesse. Le secrétaire exécutif national du parti politique force courue pour un Bénin émergent n'a jamais visé d'intérêt personnel, rapporte le confrère ce matin. Toujours à la une de Le Routier de ce matin, rencontre avec les partis politiques échanger autour du processus électoral, les organisations de la société civile et les médias entretenus sur leur rôle et responsabilité par la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'Indépendant en deuxième titre à la une ce matin, présidentiel de 2021, le duo Dimba Hunkwe pour porter la candidature des FCBE. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, troisième édition des élections professionnelles nationales, encore un défi de taille relevé par le gouvernement de la rupture. La cloche, titre en manchette ce matin, course à la Marina en avril 2021. La FCBE a désigné ses deux chevaux. Paul Hunkwe a fait preuve d'une grande humilité et de sagesse. Le confrère de la matinée en manchette ce matin, pour la première fois de l'histoire du football national, un Béninois élu à la FIFA, Mathurin Decharcus. Quelle chance, s'exclame le confrère. Le matinal en manchette ce matin, présidentiel du 11 avril 2021, le parti Force Courue pour un Bénin émergent FCBE montre la voie à l'opposition. Le duo Dimba Hunkwe pour défendre les couleurs de l'ancien parti politique de l'ancien président Thomas Boniaï. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, gestion du dossier de parrainage. La Cour constitutionnelle conforte la Sénat. Les deux recours rejetés. Des détails à la page 9 de la parution de ce matin du Canard. Leader du jour, titre ce matin à la une.
Préparatif des élections présidentielles du 11 avril 2021, le COSLEPI transmet officiellement le fichier électoral au maire Comé pour l'étape de la cérémonie de remise officielle. Nous passons à présent au quotidien béninois Nord-Sud Quotidien qui titre en manchette ce matin « Financement des projets de développement au Bénin ». Le président de la BOAD reçu à la Marina le compte rendu des échanges dans les colonnes de sa parution du jour. Nous passons à présent au quotidien le politique qui a titré ce matin en deuxième titre à la une, désignation de Soumanou et de Hongpe, candidat FCBE à la présidentielle, une avancée réaliste dans la course de la Marina. Et toujours à la une de Le Politique de ce matin, supposé déploiement des corps habillés dans le nord bénin, Komi Koutché dissipe la psychose et rassure, la lutte que nous faisons c'est aussi pour eux, titre Le Confrère. La boussole en manchette ce matin, désignation de Dimba comme candidat des FCBE, Paul Hongpe, la marque de la sagesse. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par Matin Libre qui a titré ce matin en manchette, renouvellement des têtes dirigeantes des universités nationales du Bénin. La rupture dans ses œuvres et le relais s'arrêtent aussi pour les élections rectorales. Les regards tournés vers le Conseil national de l'éducation. En attendant, on joue les prolongations des détails sur l'article du Confrère à la page 2 de sa parution du jour. Et toujours à la une de Matin Libre de ce matin, vaccination contre la COVID-19, MTN s'associe à l'Union africaine. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne.